Comme vous le savez sûrement, ces derniers jours, il fait très froid en France. Mais s'il y a bien un endroit dans l'Hexagone où ça n'impressionne absolument personne, c'est là où je me trouve en ce moment. On est à Moutes, dans le Doubs, et c'est le village officiellement le plus froid de France. Ça va, c'est pas trop froid ? Non, c'est bon là. Ça fait partie du quotidien à Moutes ? Ah oui. Ah, vous marchez ? Et partez. Il n'est qu'à 900 mètres d'altitude et pourtant, il y fait couramment entre moins 20 et moins 28 degrés l'hiver. Moutes, le village le plus froid de France et où il fait si bon vivre quand même. C'est ici qu'ont été enregistrés des records de température avec un record non officiel enregistré en 1985 de moins 41 degrés. Il y a un record plus officiel qui a été établi en 1968 avec moins 36 degrés. Moi, j'ai connu des moins 40. Ça tournait plus souvent entre moins 20 et moins 30 à l'époque. Pour Monsieur Météo, l'explication est simple. On était situé au fond d'une cuvette, dans un couloir jurassien, une sorte de corridor où le Doubs prend sa source et où s'effectue automatiquement un cloisonnement d'air. La température a été tellement clémente jusqu'à présent sur le territoire national que, brutalement, quand il fait moins 5 ou moins 7, tout le monde se précipite ici, alors que pour nous, moins 7, moins 8 degrés comme il faisait ce matin, c'est de la rigolade. En 1981, moins 24 aussi ici. Vous voyez par exemple ça, cette personne qui est devant sa maison. Des hivers comme ceux-là, on n'en voit plus aujourd'hui. Le changement climatique, c'est une réalité. J'espère que c'est Moutes qui va rester froid, quoi. Mais la capitale du froid. Ceux qui me diront que Moutes n'est pas la commune la plus froide de France, c'est qu'ils n'ont pas dormi au camping de Moutes la nuit dernière. Parce que moi, j'ai eu très froid. Mais les gens aiment bien venir, malgré tout, voir le petit village, la petite Sibérie de France. Ça a une certaine réputation, malgré tout. Malgré qu'on ait un peu contre cette réputation de froid, parce que je vous dis, c'est des super journées. D'ailleurs, si c'est le village le plus froid de France, Moutes s'est taillé une petite réputation ces derniers temps, avec notamment une série sur Arte qui s'appelle Polar Park. Grâce au parc polaire, ils ont un peu changé le titre. Les gendarmes ont retrouvé Nori Coupé. Un serial killer. À Moutes. D'un côté, ça nous fait connaître, mais de l'autre côté, ça fait peur aux gens. C'est le centre du monde maintenant, hein, après la série. Et c'est un endroit spécial. Hein. Et c'est mystique et c'est magique aussi. Hein. Et qu'est-ce que vous trouvez de mystique à Moutes ? Les gens. Les gens. Je me dis toujours, mais comment est-ce qu'on arrive ici, quoi ? Hein ? Mais c'est trop beau, quoi. C'est vrai que la série, ça donne pas un côté très... On n'a pas trop envie d'y venir, quand même. Hein. Bah, disons, en termes plus crus, ils se foutent un peu de la gueule des locaux. Quoi, hein. Mais finalement, ils sont gentils. Mais c'est quand même bien. Moi, j'ai bien aimé aussi. On n'avait pas eu beaucoup de neige pour les vacances, quand même. Hein. Non, ouais, on n'a pas été gâtés, hein, malheureusement. Hein. Non, c'est tristounet. Hein. Puis même là, il y en a juste quand même, c'est limite. Hein. Avec le réchauffement climatique, c'est vrai qu'on le ressent énormément. La preuve, il n'y a quasiment pas de neige, il n'y a plus de neige, on n'a plus les giboulées, on a énormément de pluie. Ça fait déjà 2 ans que c'est une saison un peu dramatique pour le ski, pour le monde du ski. On le ressent énormément dans nos moyennes montagnes, quoi. Est-ce que vous êtes prêts? Ah non, mais attends, on a deux cocos qui sont encore sur la route, là.